Aujourd'hui la team on va parler de love. Les mecs prenez des notes, les filles je vais vous faire rêver. Parce qu'on va parler du dernier morceau de Jul, Mon Bijou. Alors a cappella, ça nous donne en résumé: fais-moi un bisou, fais-moi des bisous, fais-moi un bijou, fais-moi des bisous. Non, ne rigolez pas, 27 millions de vues sur internet avec ça. T'es mon bijou, je fous de toi, je veux mon bisou. Alors déjà j'aimerais comprendre pourquoi dans tous les clips, si tu es à Marseille, ça commence toujours par une histoire de je te tire dessus, je suis un gangster. Est-ce que tu crois que les gangsters font des clips? Tu veux pas qu'ils mettent leur carte d'identité en photo aussi? Parce que là vous prenez pour des gangsters, mais le seul truc que vous faites tirer c'est le chômage. En plus menacer avec du Jul, c'est vrai c'est pas compliqué. Eh ouais, t'as encore déconné. Alors écoute-moi bien, la prochaine fois que tu te manques, on te prend, te met l'album de Jul dans les oreilles pendant 48 heures. Et tu vas souffrir comme jamais tu as souffert. Je te jure, la passion du Christ à côté ça va être un après-midi bricolage. Alors dégage-moi de là. Alors vocalement c'est énorme, on écoute. Je peux te dire qu'à côté Céline Dion c'est Fangeli et Dr. Dre c'est Camini. Mais sérieusement, mais vous entendez ou pas? Écoutez, le mec à la voix de René la top, c'est pareil. T'es mon bijou, fais-moi un bisou, y'a pas de rime en haut, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute ouh. Donc c'est-à-dire que ma nièce, tu lui fais une instruction une feuille. À côté, c'est Simone de Beauvoir. Tu es mon bijou, il bouge sous genou caillou, plaque d'égout, une fois je fais le course à babou. Et là, on arrive à la punchline séduction, on écoute. Je t'aime bien habillé ou en pyjama, coiffé ou avec les pinces. Je t'aime bien habillé ou en pyjama, habillé ou en pyjama. Là, c'est plus Jul, c'est Julio Iglesias. Mais fais des tutos séduction, parce que pour récupérer sa meuf, c'est absolument extraordinaire. Putain mais reviens, reviens Beverly. Tu comprends pas que je t'ai remis habillé ou en pyjama? Mais je te dis que c'est pas moi qui ai envoyé ma bite sur Snapchat, putain. As-tu mon bijou, putain. Et vous savez le pire dans cette histoire? C'est que Jul à la base est un bon MC. Si si, il a un putain de bon flow et il sait faire du son. Mais il fait exprès de faire de la dob. Parce que ça se vend, s'il y a des gens qui l'achètent. Si c'est les mêmes qui regardent les ch'tis au Portugal contre les Marseillais à l'école et qui envoient des SMS pour voter pour Shannon. C'est les mêmes. Et c'est à cause d'eux qu'on a Nabila qui vend un disque, Jerem Star qui fait un agenda pour les enfants. Ça continue, on va avoir Evangélie à la culture. C'est plus bon quand tu vas au restaurant, parce qu'on a la culture qu'on mérite. Si tu vas au resto et que le mec te sert de la merde en sachet et qu'à chaque fois que tu sors, tu fais j'en refais. Il va te servir que de la merde. Et c'est dommage pour Jul, il nous fait une chanson de lover, mais le seul qui s'est fait baiser, c'est Jul par l'industrie du disque. Allez, salut la team!